À l'heure de la bonne nouvelle. Cette semaine, nous abordons le sujet de la résurrection, la vie après la mort. La perspective de la mort est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. C'est une fatalité qui nous dérange. Personne n'aime entrevoir sa propre mort. On aime bien plus penser à la vie. Je vous invite à écouter les réponses des gens qu'on a interrogés à ce sujet. Mais moi, personnellement, je crois qu'il y a une vie après la mort. Je sais pas trop. Il y a une partie de moi qui y croit, mais je sais pas, je demande encore à être convaincue. Une possibilité, mais je peux pas vous le dire vraiment, c'est pas pour prouver. C'est une bonne question. Je sais pas vraiment. Moi, je suis plus du genre... C'est dur à décider. On dirait, il y a tellement... Division, on dirait aujourd'hui que... Tant qu'à moi, c'est une évidence. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont sceptiques par rapport à ça. Bonjour Jean-Pierre. Allô. Encore une fois, dans le Vox Pop cette semaine, je suis étonnée de voir qu'il n'y a personne qui avait une opinion arrêtée sur le sujet de la vie après la mort. Ouais, mais moi, ça ne me surprend pas tellement, Valérie. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais il me semble que je perçois que dans notre société, l'idée de la mort, c'est de moins en moins présent. Avant, il y avait comme une crainte de la mort. On le voit, par exemple, dans tout ce qui entoure les services funéraires. T'sais, il y avait des cérémonies, il y avait un protocole, il y avait des choses qui étaient faites. Aujourd'hui, les gens meurent. Très souvent, il n'y a pas de service funéraire, il n'y a pas d'exposition de corps. Finalement, c'est comme ça. On dirait qu'on veut évacuer de notre vécu l'idée de la mort, comme tu l'as si bien dit dans ton introduction. Mais en même temps, on voit, comme par exemple, on voit des émissions qui apparaissent, on parle des fantômes, la chasse aux fantômes. Mmh. T'sais, d'un côté, on veut évacuer la mort, mais de l'autre côté, on exploite un peu cette idée de la mort. On dirait que les gens sont gardés dans l'illusion. Et moi, je pense qu'il y a possibilité, quelque part, de trouver la vérité face à la mort et surtout sur l'idée de notre thème de l'émission aujourd'hui, la résurrection, le retour à la vie après la mort. Oui, merci Jean-Pierre. Puis justement, si vous avez une opinion à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter, à communiquer avec nous. À l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Aujourd'hui à l'émission, nous vous présentons le témoignage d'un homme qui possède maintenant une espérance vivante en ce qui concerne la vie après la mort. Et ce que j'aime des témoignages qu'on vous présente, c'est qu'on peut s'identifier à certaines situations que ces gens ont vécues. Salut, mon nom c'est Pierre-Luc, j'ai 25 ans et je suis technicien ambulancier paramédic depuis 3 ans. Je suis né dans une famille catholique à César, où je n'ai jamais manqué de rien. J'avais de bons parents et une grande sœur pleine d'amour pour moi. Mais c'est en vieillissant que ma vie, c'est compliqué. J'avais des problèmes au niveau de mes passions, au niveau de mes relations interpersonnelles. Et j'avais des désirs un peu trop charnels. Je misais beaucoup sur les gens autour de moi. Puis sans être parfait, je veux pas, j'avais certaines déceptions envers eux. Sans rancune non plus. Mais je misais beaucoup sur moi-même et sur mes désirs. Je vivais des combats et tout cela en vieillissant, j'ai décidé de devenir ambulancier paramédic. Mon travail m'amenait beaucoup à poser des questions à propos de la dépression, des abus de drogue, des abus d'alcool, de la violence, puis aussi de la mort.
puis je croyais qu'il n'y avait rien après la vie. J'ai fait une dépression moi-même. Puis suite à un temps de réflexion et même des idées suicidaires, un temps de période noire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré que je pouvais m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi-même. Puis cette personne-là était Dieu, l'Éternel de son nom, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'étais hors ses standards, que ses standards étaient tellement hauts, que ses demandes étaient tellement exigeantes envers l'homme. Parce que étant donné qu'il est le créateur, il veut pas, il connaît sa créature, puis ses demandes sont assez exigeantes. Mais l'homme, égoïste comme il est, j'ai réalisé que j'étais même pas à la hauteur de cet être suprême. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais un problème. Que peu importe ce que j'avais fait, que si j'avais seulement manqué un seul de ses commandements, une seule de ses bases, que j'étais voué à pas connaître cette personne, que j'étais complètement détaché de lui, puis comme dit la Bible, que j'étais mort au péché. Puis c'est pas une religion, puis c'est justement pas mes propres efforts ni mes bonnes actions. C'est le fait que j'étais voué à la perdition. Je devais abandonner cette vie-là. Puis c'est un soir que j'ai décidé justement de donner ma vie à Dieu. J'étais à bout justement de cette vie-là. Pas à cause de mon travail, pas à cause de ce que je voyais dans la société, mais à cause que j'étais tanné de me battre, à cause que la société justement est tissée comme une toile d'araignée pour étouffer tous ceux qui y sont. Puis j'étais tanné justement de ces péchés-là au fond de mon cœur. Puis c'est ce jour-là que justement, ça fait 2 ans et demi aujourd'hui, puis je remercie Dieu à tous les jours pour ces grands changements à travers de moi, que justement j'ai pu avoir accès à cette vérité-là. J'ai voulu comme créer un temps de qualité avec cette personne-là, avec ce Dieu, ce grand Dieu-là. J'ai fermé les lumières de ma chambre, puis je me suis mis à genoux. Puis j'ai demandé d'entrer dans ma vie, j'ai demandé de me pardonner de toutes les conneries que j'avais pu faire, tout, que j'étais pas digne de lui, au fond. Que j'avais vraiment besoin d'un changement dans ma vie. Pas un changement de personne, ni un changement d'environnement, mais un changement de cœur. Parce que je savais qu'il pouvait me sortir de là. Fait que c'est ça, ce soir-là, lorsque je suis sorti de ma chambre, la paix là, que j'avais, c'était formidable. C'était une paix qui est indescriptible pour quelqu'un qui l'a jamais expérimenté. Personnellement, j'avais jamais expérimenté une paix comme ça. Je côtoie la mort très, très souvent. Je la réalise aussi. Je réalise qu'il y a beaucoup d'injustices dans ce monde et que c'est l'homme qui l'a cru. Mais mon espérance envers la vie éternelle, puisque le Seigneur m'a promis, puis les promesses qui se sont accomplies, je peux affirmer à 100 000% que j'ai plus peur de la mort. Dans la prochaine portion de l'émission, François aborde le sujet de la résurrection qui est au cœur même de l'Évangile. Au début, vous avez entendu l'opinion des gens. François nous présente maintenant le point de vue de Dieu. À un moment donné, un de mes chums chrétiens jouait au jeu de devinette « Qui suis-je? ». Ce jeu qui consiste simplement à choisir un personnage, un animal ou une chose, et puis les autres posent des questions, puis celui qui fait deviner ne peut répondre que par oui ou par non. Et puis il jouait comme ça. Et puis à un moment donné, mon copain qui est chrétien, il décide de choisir Jésus. Et là, on lui pose les questions classiques. « C'est un animal? » »« Non, blablabla. Bla, » bla. Et finalement, est-ce qu'il vit, est-ce qu'il est toujours vivant? Et là, mon copain, il dit, bien sûr, il est vivant. Et là, on a mal orienté, bien sûr, ses amis, parce qu'il cherchait des contemporains, lorsqu'en vérité, Jésus a vécu, effectivement, il y a 2000 ans. Il est mort, mais la Bible dit qu'il est ressuscité. Et là, mon copain, lui, il croyait ça, comme moi, je le crois, que Jésus est ressuscité, mais comme conséquence, il est vivant aujourd'hui. Et c'est ça qui est merveilleux avec le message de l'Évangile. On parle d'un Christ qui est mort, mais d'un Christ qui est vivant. Imaginez aujourd'hui, au moment où on se parle, Jésus-Christ est vivant parce qu'il est ressuscité. Moi, ma mère est décédée lorsque mes enfants étaient tout petits. Et je me rappelle comment j'étais triste et, entre autres, comment ça m'a manqué que ma mère n'a pas pu m'aider lorsque, par exemple, souvent, les grands-mamans, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent les enfants, tout ça. Ma mère n'a pas pu faire ça parce que
était décédée. C'était une super de bonne raison, mais en attendant, elle ne l'a pas faite parce qu'elle était morte. Mais Jésus est ressuscité. Jésus peut faire quelque chose pour nous. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble un verset de la parole de Dieu qui nous dit précisément ce que Jésus peut faire pour nous. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, et on va lire au verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. La plupart des religions du monde ont comme objectif le salut éternel. Les religions du monde ont toutes comme objectif de la félicité éternelle, c'est-à-dire d'un jour atteindre un certain niveau de gloire, de bonheur, etc. Malheureusement, même les religions dites chrétiennes, qui parlent de Jésus comme étant mort, comme étant même ressuscité, n'ont pas cette certitude, n'ont pas cette assurance. La raison, probablement, parce qu'ils ne croient pas vraiment que Jésus seul peut sauver parfaitement. Comme on vient de le lire dans le texte, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. Ça, c'est une vérité extraordinaire et malheureusement, même si certains l'acceptent intellectuellement, ne peuvent avoir cette assurance merveilleuse et bénie que tous ceux et celles qui croient vraiment Dieu au mot ont dans leur âme. Je l'ai, j'ai cette certitude, j'ai cette assurance incroyable. L'apôtre Paul va résumer l'Évangile en quelques mots et j'aimerais qu'on lise aussi ces versets dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 3e. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Vérité fondamentale de l'Évangile, Jésus mort et mort pour nos péchés. Ça, c'est l'essentiel de l'Évangile. C'est bien dit qu'il est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort d'abord pour nous donner un exemple. Beaucoup disent que Jésus est mort pour nous donner un exemple. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est mort pour nos péchés. Pas pour les siens, pour les miens, pour les vôtres, pour les nôtres. Ça, c'est la vérité, la réalité du message de l'Évangile. Mais Jésus, il a été enseveli, nous dit l'apôtre, parce que c'est important que Jésus ait été enseveli dans le sens que sa mort a été constatée. On peut dire Jésus est mort et enterré. Même, il y en a qui avaient la théorie que Jésus était juste évanoui. Mais trois jours, la théorie de l'évanouissement, bien, elle s'évanouit, en fait. Mieux que ça, des témoins ont été là pour voir. Et on voit ici que Jésus est apparu. Plus de 10 fois dans le Nouveau Testament, on nous raconte des apparitions du Seigneur Jésus. Même Thomas, celui qui n'était pas là la première fois quand Jésus est venu vers les disciples, a finalement pu toucher le Seigneur Jésus lui-même. Et ça, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment merveilleux. Et plus de 500 frères à la fois, nous dit le texte qu'on a lu, et plusieurs étaient encore vivants au moment où Paul écrit ces textes-là. Donc, la résurrection de Jésus, elle est drôlement bien attestée et on ne peut pas croire que des gens qui auraient cru ça, qui auraient vu ça, auraient été jusqu'à subir le martyre pour une cause qui ne serait même pas vraie. Donc, on a des bonnes raisons de croire que Jésus est vraiment ressuscité. Mais j'aimerais vous laisser avec une grande vérité qui se retrouve dans le texte qu'on a lu ensemble. C'est marqué, il est apparu à Céphas. Et ce Céphas, c'est rien, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui, la nuit avant que le Seigneur Jésus donne sa vie, il a renié 3 fois le Seigneur. Et Pierre avait tellement besoin de cet entretien personnel avec le Seigneur Jésus après sa résurrection, parce qu'il avait besoin d'être rassuré. Et vous savez, chacun d'entre nous, au fond, on est tous des pierres. Vous allez dire, j'ai pas renié le Seigneur. Mais moi, je vais vous dire, vous l'avez peut-être pas renié,
mais vous l'avez peut-être ignoré. Vous l'avez peut-être méprisé. Bref, vous avez aussi, comme moi, besoin d'un sauveur, mais d'un sauveur ressuscité. Et je vous le rappelle encore, si vous venez à lui, Jésus est toujours vivant et il peut sauver. Il peut vous sauver comme il m'a sauvé parfaitement parce qu'il est toujours vivant, parce que son sacrifice a été agréé de Dieu et la résurrection de Jésus en est la preuve suprême. Venez à lui, là où vous êtes maintenant, pour recevoir ce pardon, cette grâce merveilleuse d'un salut parfait et éternel. Aujourd'hui, c'est mon départ. J'aimerais tant vous arrêter pour parler de ma vie et ce que j'ai appris, parfois durement et parfois simplement. J'ai cherché à répondre au grand mystère. J'ai trouvé le grand amour, celui qui donne sans retour. Il a sauvé ma vie, c'est pourquoi je l'ai. Qu'attendez-vous pour vivre? Qu'attendez-vous pour croire? Qu'attendez-vous pour découvrir que c'est Dieu qui donne l'espoir? J'ai marché à ses côtés. Il m'a guidé fidèlement. Sans jamais, jamais me quitter. Et enfin, aujourd'hui, ma course est achevée. Qu'attendez-vous pour vivre? Qu'attendez-vous pour croire? Qu'attendez-vous?
On entend souvent dire que personne n'est revenu de l'au-delà, de l'autre côté, pour nous dire, en fait, qu'est-ce qu'il y a. J'aimerais ça vous entendre à ce sujet-là. Oui, mais écoute, Valérie, on dit ça, mais pour le vrai, c'est pas juste, parce que celui qui avait le plus de crédibilité, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, lui est venu, il est vécu avec nous autres, il est mort, il est ressuscité, et il nous a parlé, il a laissé tout un message. Fait que c'est pas tout à fait juste de dire qu'il n'y en a aucun qui sont revenus, c'est pas vrai? Oui, puis comme François l'a mentionné dans son message, tu sais, il y a des témoins, il y a des gens qui ont vu Jésus après. Ces gens-là, ils sont même morts à cause de ce témoignage-là. Alors, si ça n'avait pas été vrai, on ne meurt pas pour un mensonge, ça finalement. Ça a la crédibilité. C'est sûr. Mais ce qui me surprend le plus, moi, dans l'idée de la résurrection, tu sais, il y a un gars dans la Bible qui s'appelle Saul de Tarse. Puis lui, il était tellement fâché après les chrétiens qu'il voulait les tuer, il faisait tuer, il persécutait. Puis à un moment donné, il s'en allait dans une ville en dehors de son pays, la capitale de la Syrie de l'époque. Et à l'heure du midi, il y a eu une lumière, il est tombé à terre. Puis à un moment donné, il y a une voix qui a parlé. Le gars, il est en train de capoter. Puis là, il dit, c'est qui me parle, tu sais? Puis il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ce gars-là, il était sûr que Jésus était mort, tu sais. Ouais. Puis il était tellement sûr qu'il était mort qu'il voulait persécuter ceux qui se réclamaient de son nom. Mais à un moment donné, dans sa vie, il a réalisé qu'il était bien vivant. Et ça a été le changement total de la vie de cet homme-là. Et là, on retrouve la puissance de l'Évangile. Mmh. Parce que la puissance de l'Évangile réside dans le fait que Jésus est ressuscité et qu'on peut le rencontrer. Et quand on le rencontre, notre vie devient complètement transformée. Ça a été vrai pour l'apôtre Paul, ça a été vrai pour le témoignage qu'on a entendu et ceux qu'on entend à toutes nos émissions. Puis je pense que chacun d'entre nous ici, on aurait aussi un témoignage pour dire que quelque part dans notre vie, on a rencontré le Christ ressuscité et ça a eu un impact dans notre vie. Ça a complètement changé notre vie. Et moi, j'aimerais m'adresser aux gens qui nous écoutent et qui se disent, ouais, c'est beau pour les gens qu'on entend des témoignages, c'est beau pour l'apôtre Paul, mais pour moi, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que c'est vrai? Ben moi, je vous dis, si vous voulez le savoir, essayez-le. Et vous pouvez l'essayer dès maintenant. Vous savez, le Christ, il est vivant. Il peut entrer dans votre vie, puis il peut transformer votre vie. Il peut donner un sens à votre vie. Parce que sans lui, la vie n'a aucun sens. On existe, mais on ne sait même pas où on va, on ne sait même pas pourquoi l'on vit. Et le Christ est le seul qui peut donner un sens à notre vie. Et peut-être vous vous dites, oui, mais comment ça peut arriver? Comment est-ce que c'est possible que moi, je peux rencontrer le Christ vivant, s'il est vrai qu'il est ressuscité? Ben, je vais vous proposer quelque chose aujourd'hui. D'abord, vous devez réaliser que vous êtes un pécheur. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Donc, tant et aussi longtemps qu'on croit qu'on est correct, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de lui. Mais si on reconnaît honnêtement devant Dieu qu'on est pécheur, qu'on est perdu, qu'on ne peut pas s'en sortir soi-même, c'est le pas du départ. Deuxièmement, la Bible dit une chose étonnante, que Dieu aime les pécheurs. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous aime comme vous êtes. Malgré tous vos manquements, Dieu vous aime. Il vous aime à la folie. Il a donné son Fils pour vous. Et troisièmement, vous devez le recevoir. Vous devez l'inviter. La Bible dit que Jésus est venu dans le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu, mais qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le recevoir, c'est de lui ouvrir votre cœur maintenant et de lui dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant, je veux expérimenter ta résurrection. Viens dans ma vie et change-moi. Si vous le faites sincèrement dans une courte prière, il va venir et vous allez réaliser que Jésus-Christ est vraiment vivant. Wow. Merci Jean-Pierre. Merci François. Alors, si vous avez pris cette décision dont Jean-Pierre vient de nous parler, ou encore si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. À l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319, ou encore par courriel à info@hbn.ca. Pour notre chronique Internet cette semaine, nous vous présentons une vidéo que vous pouvez retrouver sur le web. Cette vidéo démontre comment le christianisme se démarque de toutes les autres religions. A man fell in a hole. He fell in a hole
and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man and dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, was saved. Je vous invite à poursuivre votre réflexion et être des nôtres la semaine prochaine. Voici quelques extraits à l'instant. Récemment, moi, j'ai eu une greffe des 2 poumons en mois d'août 2009. Après 3 ans d'attente et d'être dépendante de l'oxygène, toujours avoir une bonbonne d'oxygène, j'ai eu ce cadeau-là de 2 nouveaux poumons. C'est la Bible, c'est un gros livre, hein? Plus que 1000 pages. Et de quoi ça parle? C'est un mystère pour beaucoup de personnes. Mais en réalité, Jean 3,16 le résume.